Tu le vois ? Mon Dieu ! Sur le toit de la chapelle ! Ah oui ! Je le vois ! Je le vois ! Tu arrives un peu tard. Les navires sur la berge. Aussi beaux que des cygnes. Je dirais plutôt des loups prêts pour la curée. Il est vrai, cela sera sanglant. Que se passera-t-il lorsque nous aurons franchi ces murs, Eivor ? Tu t'es déjà battu pourtant. Tu as saigné et tué. Oui, mais... il y a des enfants dans cette ville. Ils ne peuvent pas fuir. Lorsque le vent souffle vers nous, je peux presque les entendre rire et jouer. Il n'y aura pas forcément de massacre. On peut encore persuader les Francs de céder. Même si... j'ignore comment. Dis-le à Siegfried, alors. Me dire quoi ? Ils peuvent voir l'étendue de nos forces. Laissons-les nous payer tribut, signons les traités et rentrons chez nous. C'est le bon moyen de gagner richesse et renommée. C'est le comte Eudes qui commande les Francs de Paris, non ? En effet. Il défend la ville et rallie d'autres nobles à sa cause. Alors je vais parler à cette Eudes. Plus question de parler. Pourtant le Très-Haut nous dit que la vie vaut bien plus que la mort, et que les morts ne labourent pas les champs. Tu oses me citer le père de toutes choses ? Avec ou sans toi, j'incendierai Paris ! Tu as déjà perdu assez de Thane. Tu veux régner sur un désert ?
Très bien, va. Persuade Eude de te donner de l'argent, si tu le peux. C'est ce que je vais faire, oui. Toka, où est cette Eude? Tu pourrais retrouver sa trace à Ponte Messera. Mais méfie-toi, c'est en territoire ennemi. Hé, hey, Eivor, cette Eude n'a rien d'un roseau. Il ne ploie pas sous le vent. Je prendrai 3 maisons à Paris. On te savait cupide. Pour mon cheval et une pour ma hache. Je dois redoubler de prudence par ici. Peut-être le fort dont a parlé Toka. Il faut que je découvre où se trouve Eude. Courage, mes amis! Eude nous mènera à la victoire! Du Nord, on va encore gagner! Sur la table 2. À quoi bon? Nul ne sait quand il doit revenir. Et foire le con! Il nous nourrit. Alors si quelqu'un peut défendre Paris, c'est bien lui. Siegfried, on va au palais avant la fin du mois. Je le crois. Tu crois donc si peu en Dieu et en Eude? Je détruis. Ah.
ferai une bien. Être en sa demeure, celle aux fleurs rouges. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme ? Le passage est bien gardé. Je ferais mieux de trouver un autre chemin. Comment oses-tu m'empêcher de passer ? Qui a dit que je ne pouvais pas entrer ? Le seigneur Eudes en personne. C'est à cause du chef Chissano. Encore ? On ne peut remplir le château de Pantrapa. Reste à trouver la demeure à fleurs rouges d'Eudes. Montre-moi ce qu'il y a plus loin. Ah,
appel à des sonnes, etc. Étranger. Pardonne-moi, noble dame. Je cherche audience auprès du comte Eudes. Certes, mais mon épouse Affaire a recruté l'aide de nobles en vue de la guerre qui approche. Fière dame, j'offre à Paris le service de ma lame contre les hordes païennes. Je vois. Ferais-tu partie de nos fiers alliés frisons, des confins barbares du royaume ? Oui, et j'ai voyagé longtemps le long de la côte en remontant le fleuve. Et as-tu sur toi un écrit d'audience signé et scellé ? Car je ne peux te laisser entrer sans un tel écrit, vois-tu ? Nous devons nous méfier des meurtriers. Ils courent les rues. Oh, le rouleau ! Je l'ai laissé dans mes fontes. Je m'en vais le guérir. Il me faut un de ces écrits de nobles pour rencontrer Eudes. L'un des invités en a peut-être un. Eh bien... Notre dernier arrivant a perdu la tête. Il se cache dans le cellier. Salut à vous, ami. Qu'est-ce qui se passe ? L'un des invités d'Eudes s'est enivré et s'est enfermé dans le cellier à vin. Ah ça, ma parole, quelle pitié ! Il était là pour prendre part à la défense de Paris ? Ah, peut-être. Mais quelle aide pourrait apporter un tel couard ? J'émets de sérieux doutes. Ce noble ivre a peut-être un de ses écrits nécessaires pour rencontrer Eudes. Que quelqu'un m'aide à enfoncer cette Laisse-moi porte faire. Oh, Seigneur Clovis, tu t'es endormi ivre après t'être rendu bien ridicule. Qu'on ne craigne rien. Je vais porter le Seigneur Clovis à l'extérieur, au bon air. Cet ivrogne avait un document dans une poche. Cela ressemble à l'écrit qu'il me faut pour voir Eud. Je suis de retour avec l'écrit qui m'autorise à parler au comte Eudes. C'est parfait. Tu peux donc pénétrer. Et d'ailleurs, merci de ton engagement barbare à nos côtés. Il faut que je trouve le comte Eudes. Je ne peux pas passer par là. Tu vois, mon cher Lothair, Eudes n'a confié qu'à moi la clé de son cabinet. Au fait que, cher Lothair, je lui fais don de crues fort rares. Des barriques entières dont certaines viennent de Grèce. Ouvrez ! Juste devant par ici.
Je vais m'occuper de notre peuple. Adieu. Les deux, on me l'a volé. Ces démons païens au fond de la mer. Comme tu le dis, Seigneur, mais ces gens du Nord sont des mortels. Ils veulent des terres et du butin. Il est vrai. Ces hommes du Nord sont féroces et notre bon roi tarde à nous défendre. Pourtant, chacun de vous a prêté devant Dieu serment, celui de défendre le royaume. Nous triompherons de ce mal, comme nous l'avons toujours fait. Je ne peux vous imposer de faire votre devoir, mais écoutez votre cœur. Gosselin, merci de raccompagner nos hôtes. Montre-toi et dis ce que tu as à dire, Eivor d'Angleterre. Tu m'as vu entrer, comte Eud, je te l'accorde. Mais comment me connais-tu ? Mes éclaireurs ont parlé d'un guerrier avec un corbeau. Nous croirais-tu, idiot ? Je ne m'attendais pas à tant de courtoisie. Du vin épicé que nous servons chaud. Outre des épices, on y ajoute des fruits. C'est là mon seul vice. La vigne ne pousse pas dans le nord. Nous buvons de l'hydromel. De l'hydromel ? Eivor, à ton crédit, tu as risqué gros pour me voir. Mais pourquoi donc ? Tu as des terres en Angleterre, non ? Je n'ai nullement l'intention de m'installer en Francie. Alors quelle somme étancherait ta vilaine soif ? 100 deniers ? 1 000 000 ? Et qui viendra encore après toi ? Ragnar et ses fils sont venus ici, il y a des années. Nous les avons couverts d'argent. Mais ils ont tout de même rasé Paris. L'argent ne m'intéresse pas. Je veux que les Francs restent loin de l'Angleterre. Nous ne faisons pas partie de votre royaume. Et j'aimerais aussi que ceux du Nord restent loin du nôtre, comme tu dis. Mais quelles seraient tes conditions ? Je te l'ai dit, que Charles laisse l'Angleterre tranquille. Ensuite, qu'il considère Siegfried comme un allié. Et enfin, que les Thanes de Siegfried conservent leurs terres dans le Nord. Rouen et Amiens étaient à mon père ! Vous n'aurez jamais ce qui me revient de droit ! Votre armée ne prendra jamais Paris. Et vous n'aurez jamais la paix. Ni ici, ni en Angleterre. Mes hommes te raccompagneront. Notre prochaine rencontre se fera sur le champ de bataille. Adieu. Je dois retourner au campement et rapporter aux autres les paroles d'Eud.
Tu arrives bien. Nous nous apprêtions à boire. Que veux-tu ? Du vin, en quantité. Le chemin a été long. L'escalde l'appelle le héros de Ravensthorpe. Ils le disent baigné de joyaux pour se battre et pour parler. Mais je ne vois aucun trésor. Où est donc l'argent d'Eude ? L'aurais-tu gardé pour toi ? Tu avais raison, Siegfried. Cet homme n'a rien d'un roseau. Et il ne cède pas plus qu'il ne ploie. Les Francs aiment parler, mais leurs paroles sont aussi vides que le vent. Il est vrai. Mais un marin avisé prête l'oreille au vent. Il peut annoncer une tempête. Bon, deux choses à faire en prévision du siège. D'abord, s'assurer un peu de terrain pour les catapultes. Je peux m'en charger. Tu le veux près de Paris, j'imagine. Mais l'ennemi l'occupera-t-il ? Les Francs manquent d'hommes pour tenir toute la ville. Ils ne protégeront qu'une île fortifiée, l'île de la Cité. Quoi qu'il en soit, reste prudent. Très bien. Et la seconde chose ? Trouver une faille dans leur défense. Un endroit où nos guerriers pourront franchir les murs. Ou alors un moyen pour nos navires d'encercler l'île. Une faiblesse qu'on puisse exploiter. D'accord. Mais comment ? Je connais peut-être un moyen, mais il y a des risques. Continue, Toka. Je connais une contrebandière des bas quartiers, au sud des murs. Sa maîtresse armoricaine. Ce n'est pas mon amante, juste une amourette de feu de camp. Quoi qu'il en soit, si quelqu'un connaît les points faibles de la ville, c'est bien elle. J'irai volontiers, mais... Nous... Nolwenn est... Elles sont brouillées. La contrebandière a volé le collier de Toka avant de lui ravir son cœur. Aujourd'hui, Toka regrette son collier. Je vais aller voir cette contrebandière et trouver un point faible dans les défenses des Francs. Tu as ma parole. Bien. Tout est réglé, alors. Non, mon oncle. Il y a autre chose. Eude refuse d'entendre raison. Mais Charles le pourrait. Il faut lui parler de nouveau. Et encore des discussions. Il faut s'adresser au gros roi. Conclure une trêve. Quoi ? Il a essayé de me tuer. Pourquoi retourner le voir ? Ces murs de pierre ne tomberont pas. Pas sans des combats sanglants. Il acceptera peut-être de payer sans que la moitié de notre clan périsse sur les murs. Toka a peut-être raison. Charles peut encore céder. Va, ma nièce. Parle à tous les rois et évêques, comme l'a fait Eivor, la langue pendue. Cela ne changera rien. Le soleil des pourparlers se couche. Bientôt sonnera l'heure des flammes et de l'éclat des lances. Ce jour-là, il faudra combattre. Je suis toujours fidèle à mes serments, quels qu'ils soient. Je combattrai à tes côtés, Siegfried. N'en doute pas. Assez, mes amis, mon oncle. Nos cœurs sont unis. Je vais aller chercher le roi aux rues des Goupil, une taverne de la rive nord. Selon Pierre, il y fait ribote. Toka est une saine de valeur. Un jour, elle dirigera peut-être une armée comme toi, Siegfried. Je l'espère. Mais pour l'instant, elle est avec moi. Retrouve-moi au Beffroi, lorsque tu seras prêt à combattre des Francs, Eivor, au lieu de leur parler. Qu'est-ce qui te fait rire, Thane ? On dit souvent que tu pues la fiente de corbeau, héros. Mais pour moi, tu sens la vinasse des Francs. Je dois m'occuper des préparatifs du siège. Mais par quoi commencer ? Davantage. Eux et les ailes.
pas, mais Siegfried Viseur de Crâne nous a encore menés à la guerre. Oui. Je rejoigne Siegfried au beffroi. Nous devons inspecter le terrain pour ces catapultes. Si une pelle du sang ficelle, l'autre, qu'est-ce qui se crée ? Trace de sang. Siegfried est passé par ici. Chemin sanglant dans cette tour. Là, cet atelier, c'est le lieu idéal pour nos catapultes. Une armée de géants de bois pour abattre les murs. Ces francs, là, qu'est-ce qu'ils font ? Ah, ils vont exécuter un autre des leurs aujourd'hui. Mais pourquoi donc ? Qui sait ? Parce qu'il prie le mauvais dieu, a engrossé la mauvaise femme, ou suit le mauvais roi. Selon le droit des francs, cet homme doit mourir. D'où je viens, chez les Saxons, c'est la même chose. Oui, mais les Saxons sont moins nombreux. Ils sont divisés et se battent contre les Celtes. Et nous, ces Francs, en revanche, unis sous la bannière d'un grand roi. Ce serait comme lâcher un loup Fenrir affamé sur le monde. Nous sommes les prêtres de Dieu, et nous sommes bons. Mais si tu fais le mal, crains-nous, car nous ne portons pas l'épée en vain. Qui sont ces deux-là ? J'ai déjà vu ce prêtre guerrier avec le comte Eudes. Gosselin et Eble, guerriers et frères. L'un dirige les prêtres de Paris, l'autre les armées franques. Car nous sommes les prêtres de Dieu, les instruments de son courroux envers qui commet le mal. Dès lors, nous devons... Frère ! Tu parles trop ! Allez, il est temps de s'emparer de cet atelier. Ils sont doués pour le spectacle. Dire qu'il va falloir affronter ces Francs. Oui, mais pas aujourd'hui. Les hommes sont prêts. Viens, allons nous assurer un peu de terrain pour les catapultes. Je n'infligerai jamais à mes guerriers une fin aussi honteuse. Moi non plus. Mais j'ai eu l'infortune de voir de bien mauvais chefs un peu partout. Tu as raison, Siegfried. La vilenie se rencontre ailleurs que chez les Francs. Nous approchons. Gardons le talon léger. Tâchons de bien rester sur les toits. Siegfried, briseur de crâne, est là. Venez, les hommes. Nous allons prendre cet atelier et en faire le nôtre. Nous sommes allés voir. L'endroit est gardé, mais pas très bien. Je crois. L'endroit idéal pour envoyer les pierres de nos catapultes sous cette route. Je ne t'imaginais pas en coureur des toits, Siegfried. Je n'ai pas des pattes de bouquetin comme toi. Mais je me débrouille sur certaines parois. Nouvelles catapultes ont hâte de combattre. Les frappements du bois et de la pierre, les sons de la victoire. Cette croix offre une ligne de
tir idéal sur les murailles de la ville. Bien joué, Sylvain. Les dieux nous ont souri aujourd'hui. Il est vrai. Cela nous offre une nouvelle position pour nos catapultes. Nous frapperons leur mur. Eivor, connais-tu le sort de Vidar Odinson ? Le dieu de la vengeance, qui combat auprès de son père lors de la bataille de la fin des temps. Oui, Vidar le venge. Vidar tord le cou du grand loup, puis, de ses mains nues, ouvre le ventre de la bête. C'est ce que disent les Nornir. Ah, Eivor, un jour comme celui-ci, je chausse moi-même les bottes de Vidar et je venge mon frère. Car les autres jours, il n'y a rien. Ensemble, nous allons abattre ces murs sur la tête d'Eud. Et je vengerai mon frère. Les dieux t'entendent, Siegfried. Retrouvons-nous au campement lorsque tout sera prêt. Va, ma fille. Toka a dit que le roi Charles se distrayait à cette taverne. Étrange de boire et s'amuser à la veille de la guerre. Humble et douce, venez boire, danser, chanter. Et la... Le gros roi, de quel roi crois-tu que je parle? Il paraît qu'il loge ici. Il a logé, mangé et bu ici, mais il est reparti. Maintenant, comment veux-tu que je sache où il est allé ensuite?
Pas de traces du roi, visiblement. Eivor. Non, hélas. On pourrait croire qu'il est facile de trouver un homme aussi gros et connu, mais... non. Peu importe. Buvons. Qui sont ces gens étranges ? Des fous et des bouffons, sans vergogne ni honneur. Des acteurs qui jouent pour le roi. L'un d'eux pourrait nous mener au plus grand fou de tous. Le roi. N'y pense même pas. Autant parler à un ivrogne ou à un go. Ou à un go déjà ivre. Eivor, je dois te remercier. De quoi ? De m'avoir soutenu devant Siegfried. Il refuse de parler aux Francs, mais... cela vaut la peine d'essayer, non ? Oui. Et tu peux y arriver. Avec ou sans lui. Mais j'ai échoué. Personne ne veut me dire où trouver le roi. Qu'est-ce que je dois faire ? Une bonne guerrière au bouclier doit savoir manier les épées et les mots. Regarde bien. Salut à toi, bon sire. J'aimerais proposer mon épée au roi. Sais-tu où je peux le trouver ? Pendant le sommeil du grand ours, les bouffons font tinter leur bourse, et dans sa chambre sont entrés. Ils burent le vin tel la source, dansèrent et firent la course, tout en évitant de le réveiller. Cet ours pourrait être le roi. Ainsi donc il avait une chambre. Regarde bien, m'as-tu dit. Tu as vu ? Il n'est pas si facile de trouver un roi. Toi là, avec tes mimiques bizarres, où est ton roi ? Aussi muet que la mort. J'ai trouvé ta cachette. J'ai trouvé ce qu'il me fallait. Charles est au théâtre à Amiens. Bien. Allons-y. Non. La vue d'un membre du clan de Siegfried peut lui déplaire. Mieux vaut que j'y aille seul. Comme tu veux. Mais retrouve-moi ensuite ici pour me répéter ces paroles. Non !
Yah! Je dois me mettre en route. Au revoir. On verge. Oyez, oyez ! Siegfried le sauvage J'ai et trop sa près. Horde de Troyens approche des portes de Paris. Le comte Eudes demande à tous les combattants de s'assembler sur l'île de la Cité. Mais à l'aune de ses paroles, elles indiquent son honnêteté ou pas. Pantomime, mon ami. De la scène. Peut-être Charles aime-t-il s'y cacher. Ô fille de Babylone, qui doit être détruite, satisfait il sera, lui qui prend les petits. Oui, démon. Que fait-il aux petits ? Il les jette contre les pierres. Non. Non, non, non. Ah. Ce n'est que le païen, égaré par Lucifer, mais qui demeure mortel. Charles, j'ai entendu deux voix. Qui d'autre est là ?
Il n'y a que moi et cette faible créature de chair. Pardonne-moi. Parler à ce qui n'existe pas ouvre la porte à quelque chose qui existe. Je ne le sais que trop bien. Je peux t'assurer que mon démon est réel. Tout comme mon dieu. Tue-moi. Fais de moi un roi martyr. Je devrais te tuer ici et maintenant, pour le tour que tu nous as joué à la reine et à moi. Ça ne t'apporterait pas ce que tu désires, hein ? La paix et la quiétude en Angleterre, c'est bien ça ? Toi seul peux épargner à tes sujets la colère de Siegfried. Si le monde était si simple, le pain pousserait sur les arbres. Eudes est un grand homme, aux grandes ambitions, n'est-ce pas ? Tous mes nobles ont des doléances, ainsi que le pape, et les Grecs, les Slaves, les Saxons, les Sarrasins. Et vous, ceux du Nord, vous exigez des terres, des otages, des tribus. Parfois, le plus sage est de ne rien faire. Tu laisserais donc tes ennemis s'égorger mutuellement ? Je laisserais volontiers mes ennemis rougir l'herbe de Dieu de leur sang de mécréant. Tandis que Charles le Pieux prie pour la paix. N'est donc rien que tu désires ? Si. Tu sais à présent que je me moque de ma femme, aussi inféconde qu'une pierre. Mais Bernard, ton fils... Mon seul héritier. Amène-moi le prince sain et sauf, et je réfléchirai à ton offre. Sinon, disparais. Par conséquent, tu veux que je te l'amène dans un lieu sinistre, où tu parles tout seul dans le noir ? Non. Amène-moi mon fils sur le champ de bataille, devant mes hommes et mes vassaux. Mais alors, pourquoi attendre ? Il faut bien que mes nobles me voient recevoir quelque chose des hommes du Nord. En attendant, je t'invite à déguerpir. Pantomime, mon ami, tu t'égares. Les mots sont comme l'eau, ils coulent ça et là. Il faut juger du royal monarque les... Ah!
Interessant. On dirait que la bière a coulé. Combien en as-tu bu ? Pas assez pour me faire apprécier de ces tristes scales de francs. Alors, Charles a-t-il accepté une trêve ? Il ne discutera avec nous que si nous lui amenons son fils Bernard. Mais nous ne l'avons pas, son bâtard. Non, mais je sais où la reine l'a emmené. Chez les pestiférés, au sud de la ville. Je vais rassembler mes hommes et en faire mes otages. S'emparer du prince manquerait d'honneur. Mais nous devons quand même garder l'œil sur lui. Je connais quelqu'un qui a bonne vue et le pied léger. Pierre. Un très bon choix, Toka. Bon. Un pas de plus vers la percée des murs et l'incendie de la ville. Oui. Je n'en ai pas envie, mais que peut-on faire d'autre ? Je te reverrai au campement, Toka. Reste à trouver Nolwenn, la contrebandière armoricaine dont a parlé Toka, si cette île présente un point faible. Elle le saura. Garde-toi du vin. Garde mon entrepôt, qu'elle a dit. Et je te donnerai une cruche de vin. Ça fait déjà 3 heures que je garde le tas de cailloux. Je veux mon vin, moi. Je te maudis, Nolwenn. Flèches, pierres à aiguiser, des marchandises pour l'île de la cité. Cette contrebandière doit bien connaître l'île. À manger, des herbes, des emplâtres. Je me demande à qui cela est destiné. Il semble que la reine connaisse cette passeuse. Peut-être que Richardis peut m'aider à trouver Nolwenn. Deviens mes yeux.
semble que la reine connaisse cette masseuse. Peut-être que Richardis peut m'aider à trouver une nouvelle. Va, Céline. Avec les mots de notre Sauveur. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Que votre cœur ne se trompe, ni ne s'attimore. Un monstre païen en armes sur notre terre sacrée! Un ami cher. Bonnes gens, ne brisez pas la paix de notre Église. Qui peut croire un diable païen? Combien de meurtres a-t-il commis? Allons, mes amis. Lorsque le bon Samaritain vit l'homme battu, il fit montre de compassion et pansa ses plaies. Tu es partout, reine. Quelqu'un doit bien s'occuper des victimes des combats. C'est le fruit de la peste, pas de la guerre. La guerre nourrit la peste, Eivor. Je ne suis pas prête à revenir vers Charles. Si c'est ce qui t'amène. Non. Je cherche une fille d'Armorik qui vit par ici. Elle s'appelle Nolwenn. Mais je la connais. C'est une voleuse. Elle a mauvaise réputation. Mais elle ne manque pas de... talent. Qu'elle sait monnayer. On dit qu'elle peut faire passer bien et message au-delà des murs. Malgré les gardes. Certes. Mais pourquoi as-tu besoin de ses services ? Mieux vaut que la ville tombe avant d'être affamée. J'aimerais autant que nous épargnions les petites gens. Siegfried, le tueur de Francs, commande cette armée. Pas toi. Il se venge de ville après ville. Parce que les Francs ont tué son frère. Combien d'hommes du Nord doivent-ils mourir pour que Siegfried venge l'un d'eux? Sa nièce aussi? Et toi aussi? Je ne peux arrêter des armées entières. Seulement appeler chacun à la raison et à la trêve. Je ne suis qu'un homme, après tout. Tu m'as sauvé. Alors je dois faire le premier pas et t'accorder confiance, mon bon Samaritain. Merci, Irène. Je te suis redevable. Sache-le. Bon, où est cette armoricaine? Hélas, je l'ignore. Elle vient me voir de temps en temps. Je sais! Je connais le chemin du repère de Nolwenn. De grâce, laisse-moi le montrer à Eivor. La vérité sort de la bouche des enfants. Très bien, mais reviens vite, petite ours. Pas si vite, jeune prince. L'endroit n'est pas sûr. Un peu comme toute la Francie. C'est ce que dit Mère Richardis. Comment se fait-il que tu saches où travaille cette femme ? Hier, je suis partie à l'aventure et je l'ai suivie. Mais elle m'a vue et m'a fait signe. Je me suis sentie bien bête. Ça a l'air d'être là. Merci, Bernard. Maintenant, retourne auprès de ta reine. Adieu, Eivor. Amuse-toi bien et recommençons un autre jour. Thank you.
nom. Et toi, l'ami? Bonjour à toi, l'ami. Je t'aime beaucoup, mais je n'ai pas d'argent. Je ne suis pas là pour te prendre ton argent. Et je n'ai nulle querelle avec toi. Les saints soient loués. Eh bien, merci pour ta précieuse intervention, mais je dois partir. Non, vois-tu, je suis un ami de Richard X, reine de Francie. Et moi, je suis l'épouse du pape, puisse-t-il régner longtemps. On dit que tu sais franchir les murs de la ville. J'ai besoin de ton aide. Je ne suis pas un fantôme, mais une barde d'Armorique en errance perpétuelle. Écoute, tu es contrebandière. Tout Paris le sait. Même le jeune prince le sait. Alors tu dois m'aider. Admettons que je sache quelque chose. Combien cela vaut-il à tes yeux ? Cet argent suffira-t-il à te délier la langue ? Ah, l'argent, le fléau de Judas. Cela fera l'affaire. N'oublie pas, l'argent fait du sage un idiot, et les riches sont plus sots que les pauvres. Voilà qui est bien. Alors, qu'est-ce que tu veux, homme du Nord ? Je cherche le point faible de ces murs. Existe-t-il un tunnel, une porte secrète, quelque chose comme ça ? Non, non, ce n'est pas si simple. Les Francs ont clos cette cité. Mais prends cette clé. Elle ouvre la porte du pont. Le pont ? Mais je peux l'atteindre de l'extérieur, je te signale. Ce qu'il me faudrait, c'est un moyen de l'abattre. Un petit oiseau d'argent m'a dit que les fondations du pont étaient en triste état. Ah, je vois. Et si nous parvenions à détruire ce pont, les navires pourraient encercler l'île. En tout cas, moi, je ne t'ai rien dit. Adieu. Où est ce pont ? Il doit être près d'ici. Contrebandière a dit vrai. Quelques jarres de graisse suffiront à faire disparaître ce pont. Je vais placer les jarres pour pouvoir détruire le pont plus tard, lors de l'assaut. J'aille épier l'armée des hommes du Nord tout seul. Je n'ai aucune envie de mourir, moi. On verra s'ils réussissent à tenir la ville. Hé, hey, tu n'as rien à faire ici. Mais bon, pour être honnête, moi non plus. Alors faisons comme si nous étions ailleurs. Pourquoi pas. On va tous mourir, de toute façon. Peut-être. Parole, cet Eastlord qui est de Sikon, c'est Trahirat. Ha !
voilà. Le piège est prêt pour le siège de l'île. Mieux vaut retourner auprès des autres. Pour un guerrier à nos côtés. Pas pour la gloire, ni pour l'or. Toi, où sont Siegfried et Toka? Ah, le combat doit approcher. Le corbeau est là, prêt pour le festin. Tu as un don pour les discours, l'ami. Mais demain, nous parlerons tous dans une langue qui se passe de mots. Le sort sait déjà qui vivra ou mourra. Je te le redemande. Où sont les autres? Ah, partis chercher d'autres catapultes pour l'assaut de demain. Tu peux les attendre. Je vais attendre, oui. Mais ailleurs. Combattons pour un guerrier à nos côtés. Pas pour la gloire, ni pour l'or. C'est vrai. Le combat vert se sont pris en vin rouge, et nous sommes des ivrognes. Soif de sang et ivresse de bataille. Là, je me sens... Chez nous, devant une autre ville étrangère. Depuis quand nos vies sont-elles devenues des sagas, Sinin? Oui, je sais depuis quel jour. Celui où mon père et ma mère sont morts. Eudes refuse d'entendre raison. Charles se livre à ses petits jeux. Je ne peux confier la vie des miens à de tels hommes. La reine est certes digne de confiance, mais elle n'a aucun pouvoir. Ma place est ici, avec Siegfried et Toka, quoi qu'il advienne. Eivor, tu es de retour. Ainsi, tout est prêt et nous ne pouvons plus reculer. Pourquoi t'inquiéter autant? Tu auras d'autres épées comme ça. Je sais comment me battre en terrain découvert. Là, il s'agit d'une ville. Il y aura des flammes. Ça ne change rien. Demain, nous combattrons en guerrier, pas en tueur sanguinaire. Je le jure sur mon honneur. Ah, Eivor, le beau parleur. À qui as-tu donc donné ta parole à propos de la manière dont je mènerai la bataille? J'ai parlé, oui. Et les dieux ont entendu. C'est bien assez.
Et si j'ordonne de réduire cette ville en cendres, et d'offrir les enfants aux corbeaux, que feras-tu ? Alors je te dirai de te méfier, de ne pas être le premier que les corbeaux mangeront. Eivor ne pense pas ce qu'il vient de dire. Silence, Toka. Laisse donc parler Eivor. Alors, parleur, redis-moi qui les corbeaux doivent manger. Demain, ma lame parlera pour moi à tous mes ennemis. Je n'ai rien contre toi. Pour l'instant. Bien, bien. Alimente ce feu toute la nuit, car dès l'aube, il embrasera les forêts de notre vengeance. Il est temps d'aller m'allonger. Comment fais-tu, toi, Eivor, pour dormir avant une bataille ? Facile. Je pense au meurtre de ma mère. Ensuite, je pense à chaque mot qu'a pu me dire le père de toutes choses. Et enfin, je songe à ce monde marqué par la guerre et au suivant, la halle de l'infini émerveillement. Le repos vient tout de suite après. Aujourd'hui, guerriers, nous allons prendre cette ville, la piller et la raser par le feu. Et ce soir, nous festoirons dans le palais du comte Eudes ou dans la halle d'Odin avec celles qui choisissent les morts. C'est le moment de l'honneur, l'heure de notre gloire. De la gloire ? Le Seigneur est fort et puissant au combat. Il instruit mes mains à la guerre, afin que mes bras puissent tenir sa croix d'or. Je ne faillirai pas ! Brave Sif, offre
entre nous la victoire. Odin, prête-moi ton casque d'effroi. Vidar, nourris ma soif de vengeance. Vanir, Aesir, faites tomber les murs. C'est moi, les portes de Paris. Courage. Et maintenant, Siegfried ? On enfonce les portes du palais ! Nous allons le faire s'effondrer sur le crâne d'Eud ! Au palais ! Feu et vengeance ! Plus vite ! Plus vite ! Ne les laissez... Avec moi, guerrier ! Le Helheim ou la victoire ! Soit les dieux, je suis tombé dans le piège d'Eud comme une biche. Garde courage, Siegfried. La bataille est une amante capricieuse. Mon oncle, les éclaireurs disent que ce prêtre guerrier... Gosselin. Oui. Il rassemble un grand nombre de francs à l'est, dans cette église. Par les dieux, ils vont nous écraser à découvert. Que faisons-nous maintenant? Nos catapultes pourraient frapper cette église. Mais comment faire pour viser? Allumons des feux sur les tours. Cela donnera aux catapultes quelque chose à atteindre. Oui, vas-y. Je vais faire partir les blessés et alerter les catapultes avant de te rejoindre. Bien. Et je vais éliminer ce prêtre guerrier de Gosselin avant qu'il ne rallie les Francs.
continue, Eva. Il nous faut des feux sur ces tours. Les portes sont abattues! Chargez! Avec Gosselin. Le capitaine a dit de rester ici et de veiller sur le temps. S'il tombe...
bêtes sauvages. Tes hommes du Nord ont massacré mon frère. Je vais à présent t'infliger une terrible vengeance. Ton frère me barrait la route. Un peu comme toi, maintenant. Dieu des vengeances, parais. Lève-toi, juge de la terre. Rends aux superbes selon leurs œuvres. Meurs, païen! Dieu, donne-moi la force! Non, cela ne se peut! Dieu, guéris-moi! Seigneur, entre tes mains, je confie mon esprit. Je t'envoie vers les bras glacés de Hel, au tréfonds du Niflheim, là où vit le dragon. Hors de la place! Chut, mon petit! Tais-toi! Viens, Eivor. Les combats continuent dans les rues. Nous avons besoin de ta force. Cela finira-t-il, Toka? Par un massacre? Comme je le craignais, il a succombé à la soif de sang. Il tuera toute la population. Rejoignons le comte Eud. Je pourrai l'amener à se rendre, pour mettre fin à cette folie. Les guerriers de Siegfried encerclent le palais d'Eud. Maintenant que Gosselin est mort, nous tenons les rues. Nous déplaçons les catapultes afin d'abattre les portes du palais. Il doit exister un autre chemin par-dessus, ou autour de ces murs. Nolwenn m'a un jour parlé d'un tunnel, au sud-ouest. J'entrerai, d'une manière ou d'une autre. Pas revu depuis les tunnels. C'était avant que votre armée se mette à incendier et à piller. Je ne suis pour rien dans ce massacre. Je cherche à l'arrêter. Vous n'avez pas encore gagné. Charles s'en vient vers Paris avec son lourd cheval. Oh les dieux. Son armée approche. Elle n'est plus loin. Et elle avance vite. Raison de plus pour mettre fin à tout ceci. Je cherche un passage secret, menant au palais d'Eude. J'en connais un. Mais une bande de guerriers francs rôde aux alentours. Montre-moi. Et je jure sur mon honneur et tous les dieux que ni Toka ni moi ne voulions de tout ceci. Bien. Je vais passer devant. Pas à entrer dans le palais de... Ah
toi, Eivor. Il faut affronter les ténèbres. Un bel échantillon d'armes nordiques et de richesses franques. Dalwen travaillait pour Eivor, apparemment. Elle te conduira au palais. Merci, Nolwenn. Et toi ? Je vais sauver le plus de marchandises. Défilé par d'autres tunnels. Que ton voyage soit bon, Nolwenn. Le palais pour te faire lutiner ? Comment peux-tu penser au plaisir de la chair un jour pareil ? C'est peut-être le dernier de jour. Alors je préfère encore chevaucher que de frotter le sol. Que Dieu ait pitié de ton âme, Malgrada ! Passer ainsi par la petite porte de derrière. Qui es-tu ? Et qu'est-ce que tu fais là ? Les ardeurs de cette servante vont peut-être m'aider à entrer au palais. Arrête ! Mon amant est très musclé et il va t'enfermer. Devrait mener directement sous le palais. Après avoir lu ce message. Pardonnez-moi, mes bons sires. Où puis-je trouver le comte Eudes ? Le comte Eudes ? Qui s'inquiète du comte Eudes ? Où est notre ami Vautier de Sens ? Pourquoi ? Qui est ce Vautier de Sens ? Un grand guerrier ? Vautier ? Un guerrier ? Non. C'est le prêtre de la famille d'Eudes. Il tâche de le convaincre de nous redonner du vin. Et nous espérons bien être ivres morts quand les hommes du Nord entreront ici. Le prêtre d'Eudes pourrait me mener jusqu'à lui. Mais il faut que je franchisse ses gardes pour gagner l'aile des serviteurs. Arrête-toi !
chambre d'Eude. Si sa femme s'y trouve, elle sait peut-être où il est. Pardon, mais ces plats sont-ils destinés au comte Eude ? Non, à Dame Théodrate, son épouse. Elle est à l'article de la mort. Et qui es-tu, toi, dans une telle tenue ? Un guérisseur. Frison. Qu'est-il arrivé à ta dame ? Alors qu'elle aidait des soldats blessés sur les murs, elle a reçu une flèche dans le ventre. Si tu le peux, convainc ce maudit prêtre, ce vautier, de lui administrer les derniers sacrements. Il est en haut. Je vais voir ce que je peux faire. Merci. Pardon, mon père, mais où est le comte Eude ? Eude ? Sa vanité va tous nous tuer ! Certes, mais où est-il ? Mais qui es-tu, toi ? Je ne parlerai pas avant d'avoir bu du vin ! Ma mémoire est comme embrumée. Mourir ivre, en prêtre indigne, apostat ! Incapable d'offrir à la comtesse le sacrement des mourants! J'ai profondément déçu le comte Eude! Si seulement j'étais un homme, et non pas un vulgaire sac à vin! Il ne veut plus me parler! Il dit monter la garde pour le roi Charles! Et qu'il ne veut plus d'un prêtre, un briac! Bouteille de vin pour ce pochard de prêtre. Comme s'il en avait besoin. Le voilà, ton vin. Te rappelles-tu maintenant où est le comte Eude ? Du vin ? Du doux et précieux vin ? L'eau de la vie ? Le sang du Christ ? L'ardente humeur de ce monde ? Du vin rouge, ma foi. Rien de plus. Il est à toi. Oh, cieux ! Entendez ma prière ! Je peux mourir maintenant! Certes, certes. Où est le comte Eude? Eude? Je ne sais pas. Mais sa femme est dans la grande chambre. Elle a peut-être des réponses. Au deuxième étage, près de la grande salle. Tiens, prends la clé. J'ai fermé la porte. Merci à toi. Il faut que je rejoigne la chambre d'Eude. Est-ce toi, Eude, mon amour ? Ah non, tu es moins grand. Es-tu le prêtre ? Ah, cela manque de lumière. Je ne vois que des formes. Ah, mon père, veux-tu entendre ma confession ?
Oui, je suis le prêtre, oui, noble dame. Pardonne-moi, mon père, car j'ai péché. Par orgueil, je suis allée au combat sans protection, pensant que Dieu serait mon bouclier. À présent, je me meurs. Et je ne reverrai jamais mes chers enfants. Où sont-ils, mon père? En sûreté? Et ils sont à l'abri en compagnie d'un homme bon, Vautier de Sens. Ne crains rien. Merci. Mais mon père, accepterais-tu de porter le message d'une mourante à son cher époux? Bien entendu, mon enfant. Que dois-je dire au comte Eudes? Il est un homme de bien. Qu'il doit vivre pour nos enfants. Pour Paris. Et pour la Francie. Il ne doit surtout pas périr pour un roi fou. Je te promets de le faire, noble dame. Où vais-je trouver ton mari? Eudes s'est enfermé dans son sanctum. Son sanctum? De l'autre côté du débarcadère. Mon époux espère toujours que Charles viendra au secours de la ville. Et donc il est enfermé? Il y a une clé dans le bureau. Prends-la et apporte ton aide à mon époux. La mort rôde autour de moi, lente et discrète, comme l'ombre griffue d'un sinistre projet. Mes paupières sont si lourdes. Mère, où es-tu? Adieu, noble dame. Bon perdre la vie, Seigneur! Votre femme est à l'agonie. Allez la voir. C'est votre devoir d'époux. Mon devoir est ici. Quand arriveront Charles et son armée, nous nous joindrons à la contre-attaque. Les païens seront écrasés entre le marteau de Charles et l'enclume qu'est Paris. Pars, Vautier. Réconforte ma femme du mieux que tu le pourras. Dieu me réserve un autre sort, semble-t-il. Le prêtre a raison. Fais déposer les armes. Sauve ta ville. Chez toi, dans le Nord, la mort au combat n'est-elle pas vue comme plus belle encore? Approche. Partage une coupe avec un condamné. J'ai entendu bon nombre de guerriers pleurer et appeler leur mère, leur sang abreuvant les sillons. Je ne sais pas si c'est ça, la plus belle façon de mourir. La blessure de ta femme est grave, une flèche dans le ventre. Je l'ai vue. Je crains qu'elle ne passe pas la nuit. Et moi, je ne passerai pas le prochain quart d'heure. Elle te demande d'être fort pour vos enfants. De ne pas gaspiller ta vie pour un roi complètement fou. Regarde ces magnifiques vitraux. D'une finesse rare. Exquise. Une vraie fortune. Des années de labeur aux artisans d'Évreux. Ils sont splendides, je le reconnais. Nous les avons mis à l'abri ici. Dans l'espoir que ta horde ne les brise pas en mille morceaux. Tu me demandes d'abandonner ma ville, de renoncer à mon honneur, de finir ma vie comme prisonnier de Siegfried? Toi, que ferais-tu? Je me battrai, car un jour,
Je mourrai la lame à la main. Je sais que tel est mon destin. Mais ce jour n'est pas encore venu. Et si je te plaque au sol, à te faire saigner et à appeler ta pauvre mère? Ma pauvre mère, comme tu dis, est déjà morte. Approche, homme du Nord, et cesse ton pari! Belle lame pour un grand guerrier. Tu t'es bien battu contre Eud, mais pas assez bien pour moi. Offre-moi une mort rapide. Ne fais pas de ma défaite un spectacle. Ces cornes ne sont pas celles de Siegfried. Charles et son armée, il arrive à temps pour sauver la ville. Pas. Je vois une bannière de trêve. Des pourparlers entre Charles et Siegfried. Je dois m'y rendre. Ma voix mérite d'être entendue. La mienne aussi. Mais je suis ton prisonnier. Alors sur ton honneur, je te libère et compte sur toi pour respecter la trêve. Merci, Eivor. Je le ferai. Seigneur Siegfried, j'offre un présent en argent, en gage d'amitié et d'amour entre nous. Faisons la paix. De l'argent pour une trêve. Pas une trêve, mais un lien durable. Je te nomme seigneur de Rouen, et tu mets genoux en terre devant ton roi. Je ne m'agenouille pas devant des dieux de bois, et encore moins devant les hommes. Mais laisse-moi donc prendre conseil. Eivor, grâce aux dieux, tu es en vie. Et toi aussi, tant mieux. J'ai pu entrer dans le palais. Eud nous aurait remis la ville, mais... Mais Charles est arrivé avec sa bannière de trêve. En effet. Et toi? Après notre séparation, j'ai emmené des hommes et mis le prince bâtard en sûreté. Il est là, et il est en vie. Eivor! Les dieux sourient à la hardiesse, mais aussi à la chance. C'est ce qu'on dit, oui. Charles nous offre-t-il un trésor en argent? Oui, en effet. Et il suffit pour cela de nous en aller. Il a apporté de quoi enrichir chaque chef de guerre au-delà de ses rêves. Les chefs qui ont survécu. Risquer nos vies pour de l'argent, c'est dans notre nature. Alors, va-t-on accepter son offre? Par les bonnes bourses de Loki, oui. Et appelle-le mon roi, si cela plaît à ce vieux troll. Ce que nous voulons, c'est un trésor, ainsi qu'une trêve. Accepte son offre. Charles, nous acceptons ton cadeau, et en retour, nous t'accordons la paix. Siegfried.
Cet homme, Siegfried, jure d'être mon ami fidèle et de protéger nos terres à Amiens et à Rouen. Gosselin, Eble et ma femme sont morts en défendant Paris contre ces égorgeurs. Et aujourd'hui, tu oses leur remettre l'argent que nous t'avons donné pour nous défendre ? Es-tu fou ? Attends, nous savons tous que tu l'es. Alors dis-moi, es-tu en plus un lâche ou un idiot ? Siegfried jure de protéger nos terres dans le nord. Si tu lui offres ce qui me revient de droit, tu n'es plus mon roi ! Comte Eudes, je t'ai battu au combat et je t'ai laissé la vie. Honore les termes de notre trêve. Ce païen en sait plus sur l'honneur que mon propre roi. Cette journée fut des plus agréables. Mais les longs discours me fatiguent. Nous allons prendre notre argent, partir. Et vous laisser régler vos querelles entre francs. Un instant. Une dernière chose. Eivor d'Angleterre, remets-moi mon fils, le prince Bernard. Je suis fidèle à ma parole. Toka, amène-nous l'enfant. Ramène-moi à la maison. Là, là, tiens-toi droit, comme un futur roi de Francie. Dieu te regarde, mon garçon. Je veux de l'hydromel et de la musique, de l'argent et des chants, des danses et quelqu'un pour réchauffer ma couche. Allons festoyer, ami. Demain, les Francs enterreront leurs morts en remerciant leur dieu d'être encore en vie. Et à juste titre, car nous n'avons fait qu'effleurer Paris si nous revenons entre ses murs. Ils sentiront toute l'amertume de notre morsure. Et si Charles s'avise de tirer l'épée contre nous à nouveau, nous lui rappellerons l'éclat glacé de nos haches. Qu'il se souvienne de la brume rouge, flottant dans l'air, le goût du fer. Alors profitez tous du festin. Et une bourse pleine d'argent à qui boira plus de bière que moi. Skål! Eivor, viens ici. As-tu déjà vu ce genre de choses ?